Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti dans la sélection d'Omette partie 2, puisque il y avait la partie 1, vous allez voir tout en haut. Si vous n'avez pas suivi la partie 1, ben vous allez pouvoir cliquer et voir le contenu, puisque voilà, j'ai présenté un peu, je rassemble un peu quelques, que ce soit circuit ou voiture, et je faisais un peu ma collection, plutôt ma préférence ici. Je vais vous présenter, vous voyez ici le fond d'écran, ici il s'agit de Road Atlanta 2021, vraiment top de top, vraiment splendide boulot qui a été fait ici. Nous irons voir ça tout de suite dans la suite de la présentation. Donc ici on est parti avec l'intro, avec la sélection d'Omette partie 2. À tout de suite. Voilà les amis, on va commencer ici avec Road Atlanta 2021. Super boulot qui a été fait, complètement refait, qui a été fait ici par le modeur John R777, et il a été complètement refait puisqu'il a utilisé les spécifications 2021, ce qui veut dire aussi, à l'époque, on va dire anciennement, le Road Atlanta était très 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 bosselé. Il a été également refait et vous le sentez vraiment sur le bitume, très 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 bien conçu, vraiment un boulot sensationnel qui a été fait, un plaisir ce tracé. Spécification 2021, il a tout refait, les textures, etc. Peut accueillir jusque 52 voitures, donc 52 pits. Et alors je peux vous dire, en nuit ou soirée, même la nuit, il est somptueux. Vraiment magnifique boulot qui a été fait ici par John R777. Donc ici le tracé que je vous propose, en tout cas dans ma collection d'Omette, le tracé de Road Atlanta. Voilà, donc ça c'est pour le premier tracé. Voilà les amis, on se retrouve ici pour le deuxième tracé, le Bremgarten 1950 pour être précis. Super boulot aussi qui a été fait, vraiment c'est un circuit d'époque. Il faut naturellement utiliser les circuits des voitures d'époque, comme vous voyez ici la Mini que j'ai utilisée des années 60. Vraiment top de top aussi, vraiment on est dedans, on sent l'huile, on sent le bitume, on sent les pneus. Vraiment c'est vraiment un décor somptueux, c'est en Suisse. C'est un tracé qui était à l'époque d'abord utilisé dans les années 30 pour des courses de moto, et puis également bah, ça a évolué. Donc vraiment ici un super boulot qui a été fait par le modeur Fat Afti, ou voilà Afi pardon, ou Alfie pardon, Fat Alfie pour être juste dans les propos. Mais voyez, décor est planté, c'est vraiment un tracé vraiment somptueux, il y a vraiment l'environnement, on s'y croirait dedans, je vous dis. Et là il faut vraiment bien s'accrocher. Ce tracé ici qui a été vraiment super bien modélisé, vraiment il a repris on va dire le décor d'époque. On a vraiment aussi bien le décor au niveau des arbres, au niveau des petites maisons, le public, etc. Vraiment un super boulot qui a été fait ici, donc avec ce tracé donc qui s'appelle Bremgarten et qui est en Suisse. Voilà donc pour ici la deuxième sélection de Omette, donc ici le tracé de Bremgarten. Voilà les amis, dans la sélection d'Omette partie 2, ici je vous mets le Red Bull Ring, donc complet track texture update, donc basé sur le circuit d'origine de Kunos, et il a été complètement remodelé, refait, les textures, donc vraiment super boulot qui a été fait ici par le modeur Climax F1. Tout a été retravaillé, il y a pas mal vraiment de... C'est un skin qui va tout remodeler, donc je vous expliquerai ça donc en fin de vidéo, en tout cas en fin de la présentation ici de la sélection d'Omette en conclusion. Mais ici je vous mettrai aussi les liens naturellement, mais vraiment très très bon boulot. Vraiment ici on a... Ah, j'adore ce tracé Red Bull Ring, vraiment ça reste un tracé très 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 sympa. Et ici donc vraiment pas mal de choses ont été, aussi bien tarmac, les panneaux, le gazon, tout ce qui est environnement, vraiment très très bon boulot donc qui a été fait ici par le modeur, je répète, donc Climax F1 pour le Red Bull Ring complète la texture, donc qui s'intègre donc dans ma sélection d'Omette partie 2. Voilà les amis pour la suite donc de la sélection de Omette. Et ici on part sur un tracé qui s'appelle Thermalito. C'est un tracé fictif, hein, donc c'est un tracé qui n'existe pas, qui se trouve en Californie. Là j'ai utilisé vraiment ici aussi, chouette voiture aussi de URD. Et vraiment super boulot aussi, très très sympa, vraiment très technique, hein, il faut vraiment
bien le faire, ou en tout cas beaucoup rouler dessus pour le maîtriser. Il fait à peu près 5 km 229 pour être précis même d'ailleurs. Tracé rapide, fermement, c'est un tracé vraiment typiquement américain, on le voit ici. Très très bel environnement, très très belle texture aussi. Il y a vraiment un bon boulot qui a été fait. Il est également possible de rouler, on va dire, la nuit. Vraiment, il y a l'éclairage, il y a toute la compatibilité aussi bien avec CSP, avec DressFX, LightFX, RainFX, WaterFX. Donc ça fonctionne parfaitement aussi avec l'appli si vous l'avez naturellement. Donc il y a 30 pits donc ici pour la possibilité de mettre 30 voitures sur ce tracé. Donc, et il y a 3 différents layouts, donc 3 différentes parcelles, on va dire, que vous allez pouvoir utiliser ce tracé. Vraiment super boulot en tout cas qui a été fait ici pour ce tracé, donc qui s'appelle Termalito et qui a été fait par le modeur RMI Wood. Donc voilà ici donc pour ma sélection de Homet, le tracé de Termalito. Voilà les amis, on se trouve ici pour la suite, donc la sélection d'Homet. Ici on part sur Silverstone. Également un petit une petite mise à jour remis à neuf, en tout cas ici avec ce système de skin. Donc de nouveau Silverstone Complete Track Texture Update. Je vous mettrai les liens naturellement, je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Mais en tout cas super boulot qui a été fait ici par de nouveau la même personne que là tout de suite. Il s'agit de Climax F1. Donc ici pareil, Silverstone complètement, on va dire, remodelé, on va dire, le tarmac, l'extérieur, la pelouse, donc vraiment tout le système également compatible avec LightFX, avec CSP, donc avec RainFX, donc toutes les possibilités, donc aussi bien pour l'appli. Vraiment super boulot qui a été fait concernant ce tracé, vraiment ici adapté aussi un peu avec aussi le rajout des logos de la F1 2021, donc vraiment. Voilà, ici de nouveau, notre ami modeur, donc Climax F1, qui a fait ici un super boulot sur ce tracé qui reste naturellement mythique, hein, le tracé de Silverstone. Donc, il devait être absolument avec la sélection d'Homet. Donc ici, Silverstone Complete Track Texture Update par le modeur Climax F1. Voilà la suite, donc la sélection d'Homet. Ici, vraiment du lourd, vraiment ce Lime Rock Park par... pas des moindres, de nouveau, par la Reboot Team qui, hein, pour moi, vous connaissez, hein, vraiment avec des circuits qu'ils ont fait, entre autres le dernier Zolder. Il y a pas mal de super tracés, l'Autodrome Most, le Macao, l'Hungaroring, il y a le Bathurst, il y a plein de tracés naturellement, le Mont-Tremblant, Bathurst, le Fuji, le Daytona, le circuit du Mans, le Suzuka, Misano que je vous ai déjà présenté, etc. Vraiment ici, top modeur, hein, de la Reboot Team, et avec ce Lime Rock vraiment superbe, il est vraiment somptueux. C'est un tracé très très court, hein, c'est un tracé que peut-être que vous connaissez ou connaissez pas, mais vraiment superbe tracé ici Lime Rock. Je l'avais déjà fait ici avec par exemple Air Factor 2, avec des monoplaces, mais vraiment sensationnel. Le décor est sensationnel, vraiment c'est une qualité phénoménale qui a été fait en tout cas par les modeurs ici de Reboot Team. Et ici aussi naturellement compatible avec tous les effets possibles, et il est somptueux la nuit, je peux vous dire. Mettez ça la nuit, il est vraiment incroyable. Vraiment c'est vraiment un tracé vraiment mythique aussi, le Lime Rock Park. Donc ici je voulais absolument le rajouter donc dans la sélection d'Homet, donc le Lime Rock Park de la Reboot Team. Voilà les amis, ici avec la dernière partie donc pour la sélection d'Homet, partie 2 on va dire. Donc ici je vous ai mis le Hungaroring Complete Track Texture également, de nouveau il a bien travaillé notre ami ici Climax F1. Donc ici pareil que les tracés précédents que je vous ai montré concernant la, on va dire, la refonte, le retravail vraiment sur toutes les textures, sur le décor, sur l'environnement, sur la compatibilité avec également la Formule 1, puisqu'il a rajouté les paddocks de la F1, etc. au niveau des drapeaux, etc. Donc vraiment super boulot, des textures également compatibles avec naturellement tous les effets de CSP, donc c'est-à-dire la pluie, les effets aussi la nuit, hein, aussi super tracé pour rouler la nuit. Donc vraiment tous les détails je vous montrerai, en tout cas je vous mettrai les liens, vous allez pouvoir lire les détails qui a été fait concernant donc ce tracé. Et il devait naturellement être aussi avec ma présentation ici donc dans la sélection d'Homet partie 2, donc ici avec
Hungaroring complétera texture update qui a été fait de nouveau, je répète, par le modeur Climax F1. Donc voilà, on se retrouve directement après pour la conclusion concernant donc la sélection d'Omet partie 2. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion concernant donc la sélection d'Omet partie 2. Donc ici, vous voyez toujours avec ce super fond d'écran de ce tracé Road Atlanta qui sera le sujet du prochain Open de dimanche. Donc venez nombreux puisque vous allez voir ici ce superbe Road Atlanta 2021 en pleine action avec pas des moindres avec la Alfa Romeo GTAM. Donc vraiment je pense que ça va être du sport ici sur tracé, mais en tout cas super boulot pour tous ces modeurs. Merci en tout cas mille fois à tous ces modeurs pour voilà, pour nous faire profiter de Assetto et de montrer qu'Assetto n'a pas de limite hein, quand on est créatif et qu'on sait bien utiliser on va dire l'informatique et tous les systèmes de texture et tout le système de tralala qu'on peut modifier dans Assetto. Bravo en tout cas pour tous ces modeurs. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Vérifiez chaque lien que je mets, vérifiez bien le contenu, vérifiez bien ce qu'il y a à faire. Téléchargez le dossier. Il y a des dossiers où c'est un tracé et vous avez vu, il y a un dossier ou des dossiers où c'est des skins ou des textures. Donc vérifiez bien l'arborescence pour pas vous tromper. Vous devez naturellement, si par exemple comme dans le cas du Red Bull Ring, vous devez avoir le Red Bull Ring, etc., etc. Donc voilà, vérifiez bien tout. Si jamais vous avez une hésitation dans quoi que ce soit, mettez-le dans le commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous aider naturellement. Donc n'hésitez pas aussi à donner votre commentaire aussi ce que si vous avez testé cela et si vos rétines sont encore en place, en tout cas si vos yeux sont encore bien en place avec, vous voyez la qualité qui est proposé ici donc dans la sélection d'Omet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce et naturellement partager cette vidéo pour faire plaisir à d'autres amis ou d'autres passionnés comme moi donc dans le sim racing. On se retrouve prochainement mes amis pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao ciao, merci.